けで僕はヨタコンじゃない。僕は小島秀夫だ。何？スネーク。Oui, espionner avec Backtrack, on peut le faire. Donc je me présente, je suis Espion 3004 et cette vidéo va vous montrer comment on arrive à craquer une clé WPA. Après le web, on s'attaque au WPA, sachant que WPA est beaucoup plus coriace à craquer qu'une clé simple web. Donc là, j'ai deux PC, un PC victime, comme vous pouvez le voir, ça sera le PC sous XP. Et un autre où ça sera le PC avec Backtrack. Là, vous pouvez voir que je suis connecté normalement sur mon réseau. Ça, c'est le PC victime. Hein. C'est là où je vais faire l'attaque. Enfin, je me comprends. Ensuite, on va passer du côté Backtrack. Là, entre-temps, vous ne voyez rien du tout. Et là, comme par hasard, vous voyez que votre réseau n'est plus sécurisé. Ça veut dire qu'une personne est en train de vous hacker avec Backtrack. Donc, entre temps, j'avais paramétré ma clé USB alpha, ciblé mon réseau. Je lance AeroDump. Donc là, le but, c'est pas de vous faire voir comment on craque un réseau, mais uniquement vous dire comment parer, comment savoir quand l'attaque se fait. Là, l'attaque est replay NG-0. C'est l'attaque justement pour vous déconnecter de votre réseau. Car pour craquer une clé WPA, on a besoin du fameux handshake. Je reviendrai tout à l'heure. Revenons à XP maintenant. Alors, après le lancement de l'attaque, vous voyez que pour moi, il est impossible de me connecter sur Internet. Et pourtant, ma connexion est bonne. Donc, il y a un signe qui ne trompe pas. De 54, je passe à 24 mégabits par seconde. Ensuite, toujours pas de réseau. Donc, naturellement, je décide de réparer. Revenons maintenant à Backtrack. Parce que Backtrack a besoin du fameux handshake. Deux mots, un poignet de main, ce qui permet justement de pouvoir craquer la clé WPA. Alors, est-ce que je l'ai obtenu, ce fameux handshake? Ben oui, comme vous pouvez le constater. C'est à partir de là que je vais commencer à craquer ma clé WPA. Ok, donc j'ai plein de dico, comme vous pouvez le constater, en sachant qu'il faut énormément de dico, de passphrase, et je lance l'attaque, tout simplement. Quand on revient sur XP, le PC victime, alors on constate, si vous voyez ce genre de petits trucs là, dans vos réseaux qui n'apparaît plus, c'est que vous faites hacker. Ou qu'une personne est en train de vous hacker tout simplement. Donc là, ok, c'est bon, j'ai réussi à me connecter parce que en revenant sur Backtrack, vous allez voir que j'ai stoppé l'attaque AirPlay -0, celle qui lui permet de déconnecter et d'obtenir le fameux handshake que vous pouvez encore constater. Donc, plus besoin de saturer le réseau de la victime. Je laisse la commande, je me suis déconnecté. Et ensuite, j'ouvre tout simplement mes petits dictionnaires. Comme là, vous pouvez constater, j'en ai pas mal. À la recherche du code. Et le code est trouvé. Il a fallu quand même pas mal de temps, en sachant que le code est très dur à obtenir pour craquer une clé WPA. Mais c'est possible quand même. Je vous dis à plus. À très bientôt. À plus. À très bientôt. À plus. À très bientôt.
Thank you.